Arpajon a une approche globale en matière de gestion de la transition énergétique. Tout d'abord, en se consacrant à la rénovation du parc de logements privés de la ville, en se consacrant ensuite à la rénovation du parc de logements social, en travaillant sur la maîtrise et la réduction des consommations énergétiques de nos bâtiments publics, et enfin en se consacrant à un projet majeur de notre mandat, la rénovation-réhabilitation du centre socio-culturel 2931. En quoi consiste le PREP, le parcours rénovation énergétique performant du pavillonnaire? De nombreux collègues comme moi sont inquiets du devenir de nos zones pavillonnaires qui ne sont absolument plus aux normes d'aujourd'hui en termes de transition énergétique et d'économie d'énergie. Il s'agit donc, en accompagnant les propriétaires, de pouvoir requalifier ce parc au même niveau d'exigence que les normes de construction d'aujourd'hui. Les dossiers que nous avons présentés obéissent à une double démarche, à savoir travailler avec l'ensemble des partenaires sur un même territoire et deuxièmement intervenir dans des opérations d'isolation thermique. Le territoire de GPSO a un parc immobilier très ancien puisque la plupart des immeubles collectifs datent d'avant 1975. Nous avons remarqué également que ce sont les populations les plus modestes qui vivent dans des passoires énergétiques. Donc non seulement pour nous le sujet est environnemental, mais c'est également un sujet social. La rénovation énergétique est importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, des enjeux financiers. L'isolation de nos bâtiments et le remplacement de nos chaudières a permis de réduire très sensiblement nos charges de chauffage et celles de nos locataires, de l'ordre de 43%. Ensuite, nous avons diminué drastiquement notre dépendance au pétrole, puisque maintenant, seul notre tracteur et notre véhicule de service fonctionnent au gasoil. Si j'avais un conseil à donner à mes collègues, un mot-clé pour cela, la confiance. Il leur revient d'identifier, de mettre en place, d'animer et de coordonner ces fameux trois tiers de confiance. Premier tiers de confiance, c'est le maire en sa qualité de prescripteur. Si j'avais un conseil à donner aux élus d'une façon générale, je dirais qu'il est important d'identifier dans une équipe municipale un élu dédié aux problématiques de rénovation énergétique et aux problématiques de l'habitat. De mobiliser à travers les différentes aides qui peuvent exister, les moyens financiers permettant des opérations importantes. Ensuite, se fixer des objectifs à moyen long terme et accepter que tout ne puisse se réaliser sur un seul mandat. Évidemment, il faut communiquer parce qu'on sait qu'on ne communique jamais assez et être incitatif parce que souvent il manque le petit coup de pouce pour pouvoir permettre aux gens de se lancer.